Bonjour, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer une adresse mail avec Outlook.com. Donc, on va se retrouver sur le bureau. Une fois sur le bureau, je vais venir sur Internet avec mon navigateur Internet, Internet Explorer. Donc là, je vais faire un double clic gauche. Une fois que je suis sur mon navigateur, ici je vais taper Outlook.com. Je valide par entrée. Et ici je vais venir avec ma souris cliquer sur Outlook.com. Une fois fait, je vais venir avec ma souris tout en haut ici sur S'inscrire. Donc une nouvelle fenêtre apparaît. Donc vous allez être amené à saisir votre prénom, votre nom, votre adresse électronique que vous souhaitez avoir. Ensuite, un mot de passe avec majuscule, chiffres et minuscules. Et éventuellement des caractères spéciaux. Vous serez amené à le répéter. Ensuite, vous allez choisir le pays. Ensuite, votre date de naissance avec l'année, le mois, le jour. Ensuite, le sexe. Ensuite, vous allez indiquer dans quel pays vous habitez. Votre numéro de téléphone portable, ça c'est obligatoire. Et une adresse électronique secondaire. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ensuite, ici, vous avez des caractères un petit peu bizarres qui apparaissent. Vous allez les taper, hein. Donc, quelquefois, c'est pas évident. Vous pouvez éventuellement recliquer sur Nouveau, hein, et un nouveau code apparaît. Ensuite, si vous souhaitez recevoir des renseignements de Microsoft, vous cochez. Mais hein, normalement, vous ne cochez pas. Et ici, hein, il vous suffira de cliquer sur Créer un compte. Donc, ici, dans mon exemple. Hein, donc j'ai rentré mon prénom, mon nom, l'adresse mail que je souhaite avoir. Il y a un mot de passe. Hein, ce sont des petits points qui apparaissent. Hein, ils n'apparaissent jamais en clair. Ensuite, le pays. Ensuite, la date de naissance. Hein, donc année, mois et jour. Le sexe. Donc là, pour passer à la suite, je vais appuyer sur la petite flèche. Me demande si je suis français du Canada, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais aller chercher français France. Le fuseau horaire. Donc là, on va falloir aller chercher. Hop, 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 hop. Donc là, UTC, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Donc je clique dessus. Je vais appuyer encore sur la petite flèche. Je choisis le fond que je souhaite avoir. Et ici, voilà. Et là, je clique par défaut. Donc là, il finalise la création de l'adresse Internet. Donc là, je dis OK. Et là, il vient de m'ouvrir ma boîte électronique. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment se connecter à son compte avec Outlook.com. Il suffit de cliquer ici. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis et pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ci-dessus afin de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions ou vos commentaires. J'essaierai de vous répondre. Alors, maintenant, c'est à vous de vous créer un compte avec Outlook.com. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.